Bonjour les amis lions, et eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général sur le mois de juillet, donc concentré sur votre signe, hein, le signe lion. Donc prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui ne résonne pas. Vous êtes déjà dans une énergie terre, une belle énergie d'enracinement. La fréquence de la terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la terre, et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature, qui vous êtes vraiment, qui va vous permettre du coup de progresser. Donc là, il y a vraiment une énergie pour vous, les amis lions, au mois de juillet, de transmutation profonde vers votre nature, d'enracinement, d'ancrage, quelque chose vraiment qui part de la terre comme un arbre avec ses racines et qui est quelque chose de solide pour progresser. On va aller voir tout de suite au niveau de cette carte, cet oracle, l'oracle de la guérison. Vous êtes passé par un processus de grand changement, de croissance et de guérison. Il est important de maintenir une bonne relation avec vous-même. L'écriture est un excellent outil pour cela. Tenez un journal pour vous écrire comme si vous conseillez un ami. Notez vos buts et vos rêves. C'est très libérateur d'avoir un endroit où s'épancher. La méditation est un autre moyen de développement spirituel et de guérison. Une sortie en plein air permet également de se ressourcer. Si vous vous sentez dans l'ornière ou aspirez dans une spirale négative, pensez à fermer les yeux et inspirer profondément. Imaginez que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente. Que voyez-vous d'agréable? Si vous voyez la nature, quelle beauté lui trouvez-vous? Entraînez-vous à ne rien considérer comme acquis. Quelle vie merveilleuse on vous a offerte! Dressez au besoin une liste de vos qualités et de vos valeurs. Écrire une liste de croyances vous aidera à vivre avec conscience et détermination. Cependant, votre liste n'est pas gravée dans le roc et peut s'adapter à vos changements au fil du temps. Ouais, là, vous avez déjà avancé, je ressens ça, sur votre chemin. Vous avez déjà bien, bien progressé. Et là, vos racines, elles vont vraiment dans le sol. Elles sont vraiment ancrées, profondes. On vous invite à puiser dans tout ça. Et puis là, justement, ça confirme d'aller voir d'un autre œil, ce qui vous arrive, votre vie, et de vous émerveiller et de vous imprégner de tout ça, de le prendre comme une force. On va aller voir un peu plus en détail. Allez, oracle G. Merci de donner un message clair. Ouais. Il peut y avoir pour des personnes quelques petits obstacles qu'il y a eu sur votre route, qui vous a permis de vous construire, qui vous a permis déjà de progresser. Et justement là, il y a eu comme des petits cailloux sur votre chemin, mais là on vous dit de vous en servir, de vous en servir comme une force. Oui, c'est comme une association avec une reconnexion avec vous-même. C'est vraiment quelque chose d'assez profond pour vous les lions, vous avez une belle énergie solaire. Il y a comme une reconnexion avec qui vous êtes vraiment, et après une période finalement de gelée, après une période de doute, une période d'isolement, c'est ce qu'on dit. Alors là, il y a une femme. Alors ça peut être soit une personne, une femme proche de vous, où vous avez eu donc du coup des doutes hein, de vous par rapport à elle, ou vous êtes une femme aussi là qui a la force en elle, qui a ce lion, cette rage, cette envie de vaincre, cette envie de faire les choses avec une énergie plutôt jeune. Et là, on me parle plutôt d'enfant, peut-être des choix, de laisser son cœur s'ouvrir par rapport à cet enfant, par rapport à un enfant plus jeune. Ou, c'est ce qu'on me dit aussi, peut-être une femme qui va aller vers un homme un peu plus jeune et de laisser faire, il y a de l'espoir, quoi. Là, on tisse quelque chose, on débute quelque chose, on le concrétise. Il y a des personnes qui vont concrétiser ça, qui vont s'ouvrir, qui vont peut-être aller vers la ville, vers la foule ou vers les gens, ou vers une personne en particulier. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà, vous allez vouloir ouvrir ces portes, vous libérer. Et prendre cette énergie-là de progression, c'est-à-dire que vous allez vouloir, par exemple, faire évoluer une relation de couple, avec la force, avec le soleil, une relation de couple qui a pu être compliquée, voilà, avec quelques obstacles. Il y a pu avoir des traîtrises, des choses comme ça, des choses cachées.
Là, il y a de l'administration. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Assez rapidement. Ça se fait assez rapidement. Il peut y avoir des personnes là qui font un choix par rapport soit à la vente d'une maison, soit un changement de travail. Il y a de l'administration, de la paperasse. Il y a un choix qui se fait par rapport à de la paperasse, quoi, de l'administratif assez rapide, et une envie de se libérer de certaines choses aussi. Ouais, il y a des contrats, hein. Peut-être que vous vendez et vous rachetez, ou vous vendez simplement, vous faites des économies. Donc peut-être des personnes là qui vendent un bien. Il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Ça arrive à un bon moment. En fait, soit vous achetez une maison parce que ça arrive à un bon moment, c'était pour faire progresser votre vie, pour avancer. Soit des personnes qui vendent pour leur permettre aussi de faire des économies. Et après cette période de désert, voilà, ça refleurit, hein. Après cette période de désert, ça commence à regermer et pour une belle transformation. Il y a vraiment là un changement, mais conscient. Conscient de votre part pour faire évoluer tout ça. Vous avez envie, ce qu'on me dit, de passer avec force, de passer à autre chose et d'ancrer les choses, de matérialiser. Donc il y a pas mal de personnes, voilà, qui vont acheter quand même des biens, qui ont fait des économies pour et qui là ont envie de progresser, d'avancer et de passer à autre chose, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Il y a des découvertes. On vous demande d'analyser quand même, hein, tout ce que vous avez déjà fait. On vous demande voilà, de faire le point, de garder cet optimisme et que ça vous serve. En fait, vous allez progresser grâce à tout ce que vous avez déjà commencé à construire. Je revois là l'araignée, on remonte l'araignée parce qu'elle tisse, vous voyez, elle tisse des liens, des contacts, son réseau, elle se fait aussi au niveau de l'énergie et ça avance. Il y a eu une période difficile et là, il y a de beaux projets qui se concrétisent. Il y a la rencontre amoureuse où il y a un homme qui se libère et qui laisse son cœur s'ouvrir. Vous avancez, c'est sûr, d'un pas certain. Il y a de belles choses qui se projettent pour vous. Voilà, vous voyez, il y a la force. C'est sûrement, mais doucement, voilà, comme l'ours qui avance là, vous voyez, qui est lourd, qui est quelque chose de puissant. Un animal puissant et qui avance avec légèreté. Vous allez savoir faire comment le faire et avec ancrage, quoi. Il y a vraiment des choses importantes pour enlever ce que vous ne voulez plus, aller vers ce que vous voulez, faire des choix et ça va vous permettre d'avancer, de progresser. Ok, allez, on va faire un dernier tirage pour voir vraiment l'énergie générale pour vous. Pour le mois de juillet, pour vous les amis lions. Bon, bah, je prends les deux. Ça correspond bien en plus, ça ne m'étonne pas. Le chariot et le battleur. Vous avez donc toutes les cartes en main. Vous avez l'intelligence, vous avez oui, l'intelligence d'esprit. Pour savoir utiliser vos atouts pour aller dans la direction que vous voulez donner. À des moments, ce que je comprends aussi, c'est que vous êtes tiraillé entre le bien et le mal, ce que vous voulez pas, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une énergie là du mois de juillet, d'ancrage, mais sûre, lourde, conséquente. Vous avez cette envie de progresser, d'avancer et de bannir ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment cette énergie-là d'aller dans le sens que vous voulez vous donner. Dans la bonne direction, vous avez, voilà, vous avez envie de donner un cap, une direction à votre vie. Vous allez faire des choix conséquents dans votre vie qui vous permettent d'évoluer, d'avancer. Donc c'est une belle énergie. Voilà, pardon les amis lions, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter. Ça fait toujours plaisir de voir si ça vous parle, si ça correspond. Et je vous souhaite donc un beau mois de juillet. Prenez soin de vous et à très bientôt!